bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Je te donne le sixième conseil pour exceller en 2019. Alors, le sixième conseil, c'est profite de chaque instant. Cette année, décide de profiter de chaque instant. Donne ton maximum aujourd'hui, ne remets rien à demain. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, quelque chose d'excellent, cette année, ne remets rien à demain. Ne remets rien à demain. Profite de chaque instant. Maintenant, là, 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 maintenant, it's game time now. Now, it's the game. Now, c'est le match. Profite de chaque instant. Si tu passes le temps à remettre à demain, tu ne vas rien accomplir dans la vie. Non. Profite de chaque instant. En fait, vis ta vie comme si c'était le dernier. Vous connaissez cette expression. Vis ta vie comme si c'était le dernier, comme si c'était la dernière fois que tu allais aller là, comme si tu allais la dernière, comme si tu allais mourir demain. Vis ta vie comme si c'était la dernière fois que tu vivais. Profite de chaque moment. Travaille sur toi. Travaille sur tes projets chaque jour. Comme si quelqu'un essayait de te l'arracher. Comme si quelqu'un d'autre travaillait 24 heures pour te l'arracher. Profite de chaque moment. Travaille sur toi chaque jour. Travaille sur toi chaque jour. C'est une marche à la fois. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Écris tes objectifs. Planifie ta vie. Une étape à la fois. C'est chaque jour. Chaque jour. Profite de chaque moment. Et laisse-moi te dire quelque chose. Laisse le passé être passé. Laisse le passé passer. Arrête de parler des gens qui t'ont déçu. Arrête de parler des gens qui ne t'aiment pas. Arrête. Non, laisse le passé passer. Laisse le passé, ça ne sert à rien. Oublie, laisse le passé. Là, oui, en 2018, laisse le passé là-bas. Pourquoi? Parce que si tu passes, ceux qui passent le temps à regarder leur passé sont certains de rater leur futur. Ceux qui passent le temps à regarder leur passé sont certains de rater leur futur. Alors j'espère que ce n'est pas ton cas. Laisse le passé passer. Vis le moment présent. Alors arrête de parler de ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Oui, je sais que ça t'a brisé, je sais. Mais laisse le passé passer. La meilleure des revanches, c'est lorsqu'on arrête de parler d'une personne. Ah, je vais répéter ça. La meilleure des revanches, c'est lorsqu'on arrête de parler d'une personne. Ça, c'est très important. Alors, laisse le passé passer. Vis le moment présent. Arrête de leur donner de l'importance. Vis le moment présent. Travaille maintenant. Travaille sur tes objectifs. Dès maintenant, c'est maintenant que ça se passe. C'est très important. Alors, c'était le sixième conseil pour te permettre d'exceller en 2019. Laisse le passé être passé. Vis le moment présent. C'était Angel King, ton motivateur personnel. On se voit dans une prochaine vidéo.